Allez, salut à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Contrôle, le septième épisode, et nous devons retrouver Dylan. Il est caché dans le confinement optique. Alors n'hésitez pas à m'encourager pour essayer de le trouver parce que c'est un peu compliqué cette histoire. Vous l'avez vu à la fin du dernier épisode. Allez, on file. Donc je suis obligé d'aller sur l'aile médicale. On est parti. Parfait. Parfait. Putain, mais c'est... Oh là là, j'ai plus de santé, mais sans déconner. Putain, mais cette enfoireuse de lanceur de grenades, laisse tomber, mais il me rend fou! Ce lanceur de lance-roquettes à tête chercheuse. Allez. On va y arriver ou pas, bordel? Parce que là, il n'y a pas de mode bourrin ou de mode... Parce que là, tu peux même pas te mettre à couvert. Ou alors je vais reculer tout de suite. C'est lui que je vais buter tout de suite, là. C'est lui le lanceur de... C'était celui de gauche, le lanceur de roquettes. Putain, comme c'était simple en fait. Ah, un coffre. Security Center, ça s'ouvre. Est-ce que c'est par là que je passe? J'ai bien l'impression. C'est un peu dégueulasse cet endroit là. Oh putain, ça y a des zombies. Avec des spores et tout. Oh putain. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ah ouais, ça se passe comme ça. Oh putain. Il y a vraiment des zombies, ça y est. Oh putain, mais il y en a plein. Oh, mais sans déconner. Non, me dites pas que je dois repasser le... Ah, me dites pas que je dois repasser les 4 mobs cachés derrière les grilles là. Ah non.
Allez, c'est parti. Alors, excusez-moi, j'étais au téléphone. J'espère que ça a bien coupé ma voix pendant que j'étais au téléphone, mais bon. Oh putain, je reprends de là. Le camp de sa mère, la pute. Ah, mais je les ai butés, non? Je les ai butés. Je crois que c'est des easy là. C'est des easy là. Oh putain, le bâtard, il est là quand même. Oh, le fils de chacal. Allez. Alors, est-ce que... Oui, voilà, le coffre est déjà ouvert, donc ça me sauvegarde. D'accord, ça va. Je suis rassuré parce que ça sauvegarde quand même les gros mobs que tu butes. Du coup, j'y vais là ou pas? Non, là, je pouvais pas. Donc là, on arrive un peu dans une zone à la Resident Evil, hein. Ah ouais, d'accord, ils étaient là tous. Il y en a plein. Putain, mais il me vomit dessus en plus. Mais putain, mais qu'est-ce que c'est que cette zone de l'horreur? En plus, on est sur un jeu d'horreur maintenant. Bordel de merde. Alors, bon, je suis déjà rassuré. Par contre, je vais essayer de pas trop perdre de santé pour ici. Une fois que tu butes les mobs qui lancent les grenades, t'es tranquille. Il est là-bas, il est derrière. C'est lui là. Putain, mais recharge, putain. Putain, je perds toute ma santé ici, sans déconner. C'est abusé. Faut que je repars full vie ici, sinon c'est pas la peine. Hein. Full vie ou pas full vie? Full vie, c'est bon. Ah, saloperie. Oh, ce passage est compliqué. On va y aller vraiment à reculons. C'est-à-dire que je vais les aggro. Je les ai pas aggro là. On va reculer tranquillement. Ils sont costauds, hein. Ils ont plus de santé. Hein. Là, ça passe. Il craint le perforateur, j'ai l'impression. Récupérer de la santé. Oh putain, je l'avais pas vu lui. Oh putain, j'avais pas vu lui. Qu'est-ce que c'est que ce truc là-bas? Il envoie des grenades carrément?
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ce mob là? À 200 mètres! Il t'envoie des trucs. Putain, j'avais bien joué le coup là! Sans déconner. Putain. Ah, j'ai la mort. Oh, sa mère la pop, sa mère l'hippopète. J'allais dire une grosse insulte là. Aïe. Et en plus, j'ai l'impression que les mobs sont différents à chaque fois. J'ai l'impression que les mobs sont différents. J'ai pas réussi à la voir sans déconner. Putain, ils ont plus de vie. Putain de saloperie! Bon. Je vais pas me faire avoir là par contre. Alors je vais commencer par eux, direct. Voilà, au moins c'est fait. Ils vont pas pouvoir sortir par derrière. Je vais les aggro. Mais d'où il sort lui? J'ai tout mon temps pour recharger. C'est bon. Maintenant, lui au fond, là. Mais d'où c'est que je me fais tirer dessus, là? Hop. C'est bon? Il me semble que c'est bon. Où faut que j'aille? De l'autre côté. Est-ce que ça passe? Déjà, est-ce qu'on peut récupérer la santé? J'ai pas de la santé à récupérer? Non. Y a rien, y a pas une sauvegarde ici. Une sauvegarde aurait été la bienvenue tout de même. J'ai envie de dire ça. Si je dis ça, je dis rien quand même. Pourquoi je peux plus la prendre? Ah ouais, c'est plein. Il faut que je démantèle. Il va falloir que je commence à démanteler les trucs que j'utilise pas.
Alors le panopticon est ici, parfait. Où c'est que je peux sauvegarder? Déjà la salle est vide ici. P6, c'est le nom de Dylan pour le bureau. Sa cellule est ouverte. Est-ce que Loïs l'a trouvé? Est-ce que tu es avec lui? Alors, Tu peux le protéger? P6. Oh putain, on retourne dans l'hôtel. Oh. J'ai vu le visage du frère. Alors. Ça m'ouvre quoi comme pièce? Ok, la salle est à l'envers. Très bien, le lit. Très bien. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse là? Donc la salle est à l'envers. Si la salle est à l'envers... Là maintenant la salle est à l'endroit. Qu'est-ce qu'il voulait que je fasse? Je comprends pas. On va rappuyer. Ah oui, d'accord. Je crois que c'est... Je peux bouger que le tableau là. D'accord. Et ensuite... Le tableau est à l'endroit là. Parfait. Ah, les clés. Ah ben ça a été simple cette fois. Hein. Parfait, on va réouvrir la fameuse pièce avec la pyramide à l'envers. Et on me voit sur le tableau. Parfait, trouver Dylan. Dylan et moi, ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu. Je me suis posé des questions. Quel genre d'homme il est aujourd'hui? J'y suis. Est-ce que sa vie a été aussi dure que la mienne? Peut-être qu'ici, c'était bien plus dur. Elle est là, la salle, parler au superviseur du panoptique. Ah, il est là. Oh, bonjour. Est-ce que je peux vous aider pour quelque chose? Je suis Jessie, la nouvelle directrice. J'aurais besoin d'entrer. La directrice? Ah, d'accord. Bonjour, je suis Frédéric Langston, superviseur du panoptique. Ce n'est pas le meilleur moment pour une visite. Loïs est partout, de nombreuses cellules sont ouvertes, le système électrique est défaillant. Mais vous êtes la directrice, alors allons-y. Créé par Zacharia Trench, le panoptique est un dépôt ultra développé pour tous les objets altérés, objets de pouvoir et... On m'a dit que Dylan Faden est enfermé ici. Vous pouvez m'aider à le trouver? Faden? Ah, oui. Darling voulait le garder dans un lieu fiable et isolé, loin des autres gens. Il est dans une cellule de sécurité maximum au-dessus de nous. Mais nous avons un problème urgent, madame. Il y a un objet de pouvoir en roue libre là-dedans. C'est vraiment le chaos. La télé Benikoff. Un vrai mystère. Salvador s'y est rendu avec toute une équipe, mais on n'a pas de nouvelles depuis des heures. Il s'agit d'un objet de pouvoir de catégorie 5, capable de pulvériser le panoptique. Et il ne faudrait pas que tous ces objets altérés s'échappent, madame. Vraiment pas. Dylan est là-bas. Ouvrez la porte, Langston. Je m'en occupe. Si vous le dites, vu que vous venez d'arriver, je vous demanderai de ne rien toucher, donc... s'il vous plaît. Bon, je vais vous ouvrir la porte. Oh, et madame, appelez-moi Fred. Merci, Langston. Je l'ai dit à Salvador que c'était dangereux, mais non. Pourquoi écouter Langston? Je ne suis que le superviseur du panoptique. Très bien. Maîtriser le télébénikov, un objet de pouvoir de quatrième du quatrième étage. Si
Donc je suis dans le panoptique, très bien. Tout détruire avant que je le trouve. Alors, est-ce que j'ai des améliorations? J'en ai 3. La santé, il m'en faut combien là? Il m'en faut 4. Là, il m'en fallait combien? Il est débloqué déjà. Alors, le corps à corps, j'utilise rarement. Hein. 20% d'énergie en plus. Il faudrait que je commence à taquiner ça. Hein. Renvoie les grenades et les lance-roquettes de l'ennemi. Oh là là. Vous allez me faire plaisir. Hein. Et j'ai un objet de capacité encore de niveau 1. Mais j'ai rien. Il m'en faut 3 pour le prochain niveau. Construction astrale. J'ai une amélioration. Ici. Non. J'ai pas l'argent. J'ai pas les ressources nécessaires, plutôt. Ok. Oh putain de sa race. Ils me font chier eux. Ah, j'aurais pu renvoyer la grenade. Ça passe ou pas ici? Non, il y a un coffre. Alors, c'est au 4e étage. Il faudra que je monte au 4e étage. Ça, c'est une poubelle, ça, ou une boîte aux lettres. Ils sont sérieux, ils font des expérimentations sur des boîtes aux lettres. Et là, c'est quoi? Un sac à main? Une expérimentation sur un sac à main, sans déconner. Où sont les escaliers, s'il vous plaît? Je suis dans le panoptique. Attendez, parce qu'apparemment, c'est peut-être au centre qu'il faut faire un truc. J'ai l'impression qu'il y avait un truc à activer au centre. Il y avait... Ah, attendez, c'est là-haut. Ah oui, c'est au 4e étage. Alors, comment je fais? On peut descendre ici? Ah, je suis paumé. Tiens, un coffre. Alors, il faut que je trouve les ascenseurs. Ah, c'est un ascenseur, ça. 4e, tout de suite, très bien. Le plan du bureau pour faire de Dylan le nouveau directeur a mal tourné. Marshall semblait dire que c'était de la faute de Dylan, mais... Quelle en est la responsabilité du bureau aussi? Elle me dit pas tout, c'est clair. Donc ça serait un nouveau pouvoir à récupérer en plus là, hein, ce monstre qu'on a, qu'on doit défoncer. Ah oui, d'accord, merci. Il me semble que j'ai un comité de réception. 4e étage, c'est parti. Ah, j'ai une sauvegarde en plus. Il y a quelqu'un. Oui, je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Alors. Ok, il esquive et en plus il a une barrière lui maintenant. Parfait.
Il est où le deuxième? Allez, monte! Allez! Putain! Oh, les mobs volants là, calmez-vous! Allez, il a... Et dire que ça c'était le premier boss du jeu quoi. Parfait. Il y en avait que deux. Vous êtes content que je vous ai sauvé la vie. Alors, ici. Oh putain de ta race. Je les ai pas vus venir eux. Un petit trophée, ça fait plaisir. Procédure de manipulation recommandée. Vous m'envoyez ravi pour ce petit trophée. C'est bon. Passage tortueux. Oh putain. C'est qui lance ces grenades là? Alors ça, c'est ici qui s'est échappé, Dylan? Et les effets sont bien faits, hein, franchement. Elle est aspirée. Ouh, c'est un pouvoir assez spécial là. Hein. Me dites pas que ce jeu n'est pas psychédélique. Hein. Purifier le Benikoff, la télé Benikoff. Très bien. On va voir ce qu'il y a. Il y a l'air d'avoir des mobs. Oh putain, il y en a beaucoup. Ah, ils veulent que je touche le sol peut-être avant. Ça y est, ça commence. Ah ouais, d'accord, c'est un boss. On va s'occuper d'eux en premier. Encore un trophée. Collection surnaturelle, parnaturelle. Oh putain. On va récupérer de la santé. Oh putain, j'ai plus de santé. Oh là 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 là, on finit par un boss. Donc je voulais savoir où c'est qu'on atterrit si on mourait justement. Me dites pas que j'ai fait exprès de me faire tuer pour ça, mais c'est le meilleur moyen de savoir, j'ai envie de dire.
Alors, c'était où cette histoire là? Me dites pas que ça m'a remis. Je suis bien au quatrième étage. Ah, parfait. Je suis au quatrième. Oui, ça va. Donc, en fait, je dois refaire juste les boss ici. D'accord. Ah, mais ils sont déjà morts en plus. Est-ce qu'il y en a qui vont apparaître? Non, on refait juste le boss. Bon, ben ça va. Impeccable. Parfait, on se laisse ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. A plus dans le bus. Et à bientôt dans le...